Chers amis, bonjour, bonsoir. Nous vraiment contents pour que nous capables ensemble, encore une fois, réviser, étudier le son de l'école du sabbat avec nous. Nous pas oublier que semaine ça, c'est deuxième leçon à étudier. D'habitude, nous toujours encourager au pour que nous capables et lire verset à mémoriser à bat pour soir Kimbil. C'est sûr, chaque loi fait le soin pour l'île, à la fin de la semaine, la prêter dans la tête. Et verset à mémoriser, nous gagnons pour ce 20 ça, c'est l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Nous jouons verset à mémoriser dans Esaïe 6, verset 1er. Jodi a ki se mardi 5 janvier 2021, nou pral etudye ansanm avèk ou yon lòt lesòn. E pa bliye, chers amis internaut, chak jou nou dwe etudye lesòn parol bon Diyè, se la den nou kapab jwenn la vi eternèl. Se la den tou a travers sete lesòn nou ka konnè le karakter de Diyè ki es bon Diyè. Bon Dieu, son Dieu saint, 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 c'est un Dieu miséricordieux, il compatissant, il lent à la colère, il riche en bonté. Ce qui implique, chers amis, le bon Dieu, son Dieu d'amour, ça va vous dire, bon Dieu, il n'est pas un Dieu d'ordre. Bon Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, je dis, nous, un titre, il parlait de nouvelle personnalité. Ça pour scène pour nous comprendre que qui est-ce qui personnalité ça? Une nouvelle personnalité, ça veut dire une autre personnalité. Est-ce que c'est une personnalité politique? Est-ce que c'est une personnalité qui a évolué dans le monde artistique là? Est-ce que c'est une personnalité footballistique? Tout ça, nous devons connaître qui sort de personnalité, personnalité ça, lui-même lié. C'est ça que fait, chers amis. Nous avons invité nous capables de lire dans Esaïe 6, versets 5 à 7. Pour nous capables de voir qui est-ce qui nouvelle personnalité ça. Esaïe 6, verset 5, il dit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Chers amis internautes, c'est la vision d'Esaïe. Qui pourra le voir qui est l'Éternel des armées? Dans une vision. Premier bagaille que Esaïe lui-même dit dans le verset, il dit malheur à moi. Donc Esaïe, son pécheur, il reconnaît petit est en tant que pécheur. Il voit le roi. Qui est le roi? Le roi des rois, l'Éternel des armées. Cette nouvelle personnalité, c'est le roi, l'Éternel des armées. Côté Esaïe, il voit une vision. Cette nouvelle personnalité, il peut faire connaissance avec elle, il ne peut pas connaître. Peut-être Esaïe était content de parler de bon Dieu, mais c'est où elle va le voir. Et puis il dit malheur à moi. Dans verset 6, là, il dit mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Automatiquement, Esaïe fin ouais, le roi des rois, cette nouvelle personnalité qui assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Esaïe fin ouais, lui dit malheur à moi, perdu, parce qu'elle connaît pertinemment que automatiquement, où est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, en tant que humain pécheur, ou pas qu'à vivre. Puisque il a eu conscience de ce moment, yon séraphin volé, li pren yon charbon dans l'hôtel bon Dieu, hôtel que bon Dieu lui-même li lui-même, pour capable purifier et lèvres, purifier personne qui c'est Esaïe. Pour qu'il pas mourir. Et verset 7 là, il dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres,
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. À noter, chers amis internautes, que le séraphin l'y volait pour le capable de venir jouer des ailes. Il dit que péché est pardonné et iniquité est enlevé. À partir de cela, Esaïe devient pur parce que le feu lui représentait la pureté. C'est le feu qui détruit tout ça qui n'est pas bon. Esaïe était ouais bon Dieu avec des mauvaises choses. L'anglais qui était une langue impure, c'est pas seulement profaner, prononcer des paroles impures. Là où l'anglais lui fait partie de tout être. Esaïe, à ce moment-là, chers amis, Esaïe t'a pu le purifier par la grâce de Dieu. En laissant ça, il montre nous que le sacrificateur, le grand prêtre, c'est seul lui-même qui est capable d'approcher à la présence de Dieu le jour des expiations avec un écran de fumée protecteur. Ça veut dire, bon Dieu dit à Moïse dans Exode 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand le prêtre, le grand prêtre, joue expiation sa protégée et l'Éternel des armées libre descend avec une grande fumée qui la gloire de Dieu pour répandue, c'est seulement sacrificateur qui a grand prêtre qui a approché dans le temple dans le moment ça. Pour qui raison? C'est parce que l'Ibral avec un encens pour que lui-même n'y pas mourir. Le nous lit dans Lévitique 16, verset 2, nous parlons qui ça, bon Dieu te dit Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il le meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. A remarquer, chers amis internautes, que Moïse a reçu un message de Dieu lui disant, dis à Aaron pour ne pas rentrer dans le temple pendant que moi-même on va descendre dans la nuée. Parce que l'homme pécheur n'est pas qu'à la face de l'Éternel. Là, nous lisons dans Lévitique 16, verset 12 à 13, nous voyons que pour être capable d'entrer en tant que prêtre dans l'hôtel là, pour présenter pour devant l'Éternel, pour aller offrir des sacrifices, ou tu es obligé de gagner un poignet de parfum odoriférant en poudre. Et à partir de cela, ou tu vas mettre le parfum ça sous du feu qui est devant l'autel là, afin que le nuée, avec la fumée, les couvre propitiatoire là, qui c'est témoignage yo, à partir de cela ou pas mouri. Donc nous voyons que cette vision que Esaïe lui-même était ouais dans le temple pour être capable ouais bon Dieu il était ouais mouri. La maison était remplie de fumée. Ça veut dire puisque la maison est remplie de fumée, ça te vient bail Esaïe une opportunité pour que lui-même n'y pas mourir tout de suite automatiquement il était rentré. Malgré Esaïe n'y pas un sacrificateur, bon Dieu lui-même il t'a fait grâce. Chers amis internautes, il est extrêmement important pour que nous comprenions que le sacrificateur par excellence c'est bon Dieu. Nous allons regarder plus tard, chers amis internautes, dans Exode 33, verset 20, quand vous allez vite au bout, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Chers amis internautes, Moïse qui t'a demandé bon Dieu pour que tu sois capable de faire face, et bon Dieu t'a dit que l'homme n'a pas qu'à faire face,
sous ta face nous on mourir ou pas vivre. Et plus tard, nous pral lire que dans Juge 6 verset 22 à 23, côté Gédéon te voit l'ange de l'Éternel, il pas prétend pour te dire malheur à moi. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et qui ça l'Éternel d'Abraham dit, Gédéon, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. C'est pour montrer, chers amis internautes, que Dieu est un Dieu d'ordre, le sacrificateur par excellence. Lui, il y a des principes qui établissent pour que vous fonctionnez avec bon Dieu. Les sacrificateurs, les prêtres qui étaient là pour que vous venez avec de l'encens, pour vous offrir parfum à l'Éternel, pour vous prendre sang qui était dans l'agneau, pour vous prier sous bouc, pour vous être capable de prier pour que le péché et le peuple soit capable de donner. Vous avez des principes pour que vous marchiez dans la maison bon Dieu. En sorte que, depuis le temps des temps, aucun monde n'a pas vu la face de Dieu. C'est ça que fait Esaïe après le crier pour dire malheur à moi, je suis perdu. Dans Esaïe 6, verset 5, là. Moi, c'est un homme côté, tout ça me dit, tout ça me fait, yo pas bon. M'habite parmi un peuple qui pas bon. Et yeux moi, wa, perdu, malheur à moi. Donc, chers amis, Esaïe reconnaît que péché lié, pas digne pour que le cas en présence, bon Dieu. Esaïe t'apprend dit, bon Dieu, perdu. C'est ça que fait, bon Dieu t'apprend le faire, grâce. En définitive, chers amis, Esaïe t'apprend recevoir la mission de Dieu. Bon Dieu dit, dans Esaïe 6, verset 8, qui enverrai-je? Esaïe pas prend temps pour te dire, me voici, envoie-moi. En sorte que chers amis, internautes, bon Dieu a un plan pour chaque monde. Bon Dieu a une méthode qu'il utilise pour chaque monde. Bon Dieu a des principes dans le temple. Bon Dieu a des principes qu'il met en place pour que nous-mêmes, en tant que petits, nous marchions. Il faut que nous respections les principes pour que nous allions bien. Le Seigneur dit à qui parlait une nouvelle personnalité. Il mettait personnalité de Dieu qui est le roi des rois et une nouvelle personnalité qui c'est Esaïe. Esaïe qui recevait la mission pour que lui réconforte le peuple, pour le mener le peuple au droit chemin. Et bon Dieu qui c'est nouvelle personnalité ça, qui peut montrer toute sa gloire à Esaïe, toute sa plénitude de gloire, de félicité à Esaïe. Et nous avons Ozias qui te prend, qui te orgueille, pour te offrir un sang à bon Dieu, pendant que le pape recevait la mission pour cela. Et nous avons qui principe que bon Dieu mettait pour que yon moun ou offrir un sacrifice, fort ou capable, un prêtre, un grand prêtre, ou sortir dans la lignée d'Aaron et ou recevoir la mission pour ça. C'est ça que fait, chers amis, en ce matin, en ce soir. Nous disons pour capable faire bon Dieu confiance et marcher selon volonté. C'est sûr et certain que vous avez joui opportunité ça qui c'est bénédiction de la part de Dieu. Merci Éternel notre Dieu notre Père pour ton amour, ta grâce. Pardonnez péchés nous, fais-nous grâce, bénis-nous chaque jour, bénis auditeurs internautes nous. Permettez de capable étudier réviser ensemble leçon. Au nom de Jésus nous prions pour la gloire de ton Seigneur. Amen.